sans fabrique, opposé au Boots Club. C'est la finale. Allez, on les applaudit juste avant la finale pour leur donner de l'énergie pour cette finale. C'est parti. De l'équipe sans fabrique dans cette finale. Oui, Manon. Et pour réflexe de Félicia Ménara, 6-4. On est fait un petit break d'avance dans cette finale. Comme le disait Simoter, l'équipe vidéo, ça veut dire que. Bien sûr, c'est filmé, c'est diffusé en direct. Hein. C'est la joueuse la plus poussée des estivales, Félicia, au service. Je pense, sans me tromper, que c'est certainement la joueuse qui a gagné le plus souvent les estivales de volleyball des Côtes d'Armor. Principal sur le terrain numéro 13, Team Chaton de mon équipe sur le terrain numéro 13. Échange qui se termine par une grosse attaque de Tara Martin, 18 points pour cette finale.
Becky s'en fabrique à 3 points, peut remporter le premier set. Tournoi Open 5A principal sur le terrain numéro 12. On time, Nerf Royal Point sur le terrain numéro 12. Allez, première balle de set sauvée. Manon, remise au service. Allez, c'est reparti. Et le premier point dans ce deuxième set marqué par l'équipe Sans Fabrique sur cette petite bidouille derrière le bloc de Clara Martin. 1-0. Clara, au service. Et le nombre du duel tout en puissance, à égalité. Sur ce dernier point, 3 en faveur de l'équipe Sans Fabrique. 3 joueuses habituées à évoluer ensemble sur les tournois 3-3. Et gros bloc, mon bloc de Félicia Ménara, 2-5-1, 4-1, pardon, 5-1. C'est une belle attaque de Laura Longuet qui permet au Boost Club de récupérer le service pour tenter de recoller au score. De recoller au score pour l'équipe Boost Club. L'équipe Sans Fabrique qui mène 11-2 dans ce deuxième set de la finale. Thank you.
horrible. Défense de Manon qui enchaîne à l'attaque pour faire le point 4-15. Défense de Fanny Ribet qui permet à son équipe de reconstruire et de remporter ce point. Première balle de match en faveur de l'équipe Sang Fabrique. Et c'est gagné. L'équipe Sang Fabrique remporte cette finale dans le tournoi national féminin. Tournoi prestige. Elles sont championnes de cette 29e édition des Estivales de Relais du gouvernement. On peut les applaudir très très fort. Bravo bien évidemment à l'équipe du Moutier qui a tout donné pour tenter de résister. Mais l'équipe Sang Fabrique était trop forte aujourd'hui.